C'est avec des sourires sur les lèvres que Léo Walter a été accueilli ce matin dans sa commune de Niozel, un village des habitants aujourd'hui extrêmement fiers. C'est vrai que c'est une fonction importante. On n'imagine pas que d'un petit village de 283 habitants puisse trouver son député de circonscription. Ça fait plaisir et ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin aussi d'habiter les grandes villes pour être élu. Encore inconnu au niveau national, c'est ici que depuis 2014, il exerçait son mandat de conseiller municipal. Je ne vais pas pouvoir être là beaucoup, quoi. Mais ça fait partie. Je donnerai mon pouvoir à Laurent. Tu donneras le pouvoir à Laurent et puis on t'enverra, continuera à t'informer de ce qui se passe. Un village pour lequel Léo Walter compte bien continuer à s'impliquer. En tout cas, pour son maire, cela ne fait aucun doute. Oh, j'espère qu'il ne nous décevra pas. Puis surtout, ce que je lui dis, j'ai dit, souviens-toi toujours d'où tu viens. Mais si ce député fraîchement élu vit à Niozel, c'est à une quarantaine de kilomètres de là qu'il enseignait avec passion. Et c'est dans cette école élémentaire qu'il était devenu depuis plus de 3 ans le directeur, un professeur des écoles déjà regretté par ses élèves et ses collègues. Ma fille, elle n'était pas très très contente parce qu'elle aimait beaucoup son maître et qu'elle aurait voulu le garder encore sur les discussions qu'on a eues avant. Elle ne voulait pas qu'il soit élu. Je le regrette déjà, même qu'il n'est pas parti encore. Mais pas lui qui a l'envie de faire ça, je crois que c'est bien pas lui. Dès la semaine prochaine, c'est à l'Assemblée nationale que Léo Walter tentera de défendre son territoire et de donner quelques leçons.